Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Nous, c'est le Too Fast. Le Too Fast, c'est ça. Si vous connaissez pas, il va y avoir trois auditeurs qui jouent avec trois animateurs. Les petits papiers sont déjà prêts. Il va falloir que les animateurs fassent deviner cinq mots le plus rapidement possible à leur auditeur. Si c'est fait, eh ben bravo. Le chrono est validé. Et ensuite, on voit qui a mis le moins de temps. On va prendre les différents participants. Préparez-vous bien parce que le premier, c'est Étienne. Salut Étienne. Salut Étienne. Salut. Est-ce que t'es prêt pour le Too Fast, mon Étienne? Ouais. Pas chaud. Ok, je sens que ça sent tes vénères. C'est mitigé quand même. C'est normal, il y a la pression, il y a un peu tout. On rappelle, il y a une PS4 Pro à gagner. Hein, donc, oh, j'aurais de la pression. Personne. Donc ça ne rigole clairement pas. Étienne, avec qui est-ce que tu veux jouer? Dwag. Étienne. Dwag et Étienne. Première équipe de fête, ça sera Étienne et Dwag. La deuxième équipe va être composée de Lauriane et un animateur. Salut Lauriane. Salut. Tu veux jouer avec qui, ma Lauriane? Avec Alicia. Yes, ma team. Le girl power. Alicia, c'est un bisounours. Ma team. Alicia, c'est trop mignon parce que soit c'est un viking, soit c'est un bisounours. c'est noir ou blanc. Bon, vous le sentez bien, les filles, Lauriane, Alicia? Ouais, tranquille. Lauriane, je te le dis, dernière fois, Alicia a gagné. Elle a un peu bluffé, mais dernière fois, elle a gagné quand même, donc c'est plutôt très positif. Et le dernier candidat va être Olivier. Salut Olivier. Salut, bonsoir Domingo, bonsoir l'équipe. Salut Olivier. Est-ce que t'es prêt mon Olive pour le Too Fast, toi aussi? Tout à fait. Oula. Ah, il est très procédurier, Olive. Tout à fait. Je suis prêt, je suis chaud. 5 mots à trouver. J'ai passé les petits papiers. Olivier, t'es le dernier à choisir. Qui est-ce que tu veux dans ton équipe? Marlène. Moi je joue jamais, d'habitude je suis trop contente. Marlène sortie de nulle part, elle va prendre le petit papier, elle a pas l'habitude de jouer. Je vais faire le chrono. Mais c'est quoi ce délire? En fait, je joue pas là. Semaine prochaine, tu veux jouer toi? Ouais, ça me saoule quoi. Zank, on se souvient, t'as quand même tous les records, donc on voudrait pas te gêner. Qui est-ce qui démarre, Zank? Attends, mais du coup, qui va faire le chrono? Parce que moi j'ai pas envie que Marlène triche sur les chronos. Je triche jamais. Le chrono est juste là. C'est bon, t'as le chrono? Ne t'en fais pas. On va commencer tout de suite par Marlène. Bien joué, Zank. C'est bien vu, Marlène et Olivier. Marlène, parle un peu à Olivier, mets-le en confiance. Ça va, Olivier? Ça va très bien, nickel. Est-ce que t'as confiance en moi? On va faire. Hein. Oui, c'est la deuxième fois que je joue, mais je me suis pas mal débrouillé la première fois. Donc, c'est vrai. On va voir. Bon, t'es chaud? Ouais, chaud. Okay. Ok, c'est bon, okay. Là, ils sont bouillants. Zank, je vais te demander de faire le décompte. Elle a la pression. C'est parti. 3, 2, 1, tout fast! Alors, on dit que c'est l'animal avec des ailes qui est censé ramener les bébés quand ils naissent. Cigogne. Oui! En dessous, je sais pas ce que c'est. En dessous, c'est avec ça que tu fais du vin, c'est un fruit? Le raisin. C'est ça? En dessous, c'est un médecin que tu vas voir quand t'as besoin de perdre du poids, qui t'aide à bien manger et tout ça. Obstétricien. Non. Non, pas nutritionniste, un autre mot. Nutritionniste. Non, un autre mot. Diététicien. Ouais, c'est ça, diététicien. Ensuite, ça on s'en fout. Nutritionniste. Ça, c'est un animal un peu bizarre qui se trouve dans la mer, on en mange avec des frites. Ah. Avec des frites, avec des... Quand tu vas au resto, tu commandes... une frite. Je sais pas comment dire. Oui, boule, c'est ça, exactement. Et le dernier, tu t'en sers pour quand t'as besoin d'un papier. Oh là, c'est dur. Quand t'as besoin d'un papier, qu'il est dans ton ordinateur et que tu veux l'avoir en vrai, tu l'envoies. Je sais pas comment. What? Pose-toi, calme-toi. Putain, c'est un mot simple et je suis en galère. Là, tu peux prendre ton temps. Écoute-moi. Quand t'as une lettre dans ton ordinateur et que tu veux l'avoir en vrai. Tu fais comment? Tu utilises quoi? L'imprime. Voilà, donc du coup la machine c'est une? Une imprimante. C'était difficile. Cette galère. C'était pas facile. Marlène a pas su faire deviner Thor ni Groot. Groot. Et le diététicien, vous avez perdu un peu de temps, mais c'est dommage que vous aviez le truc. 1 minute 21. C'est dommage. 1 minute 21, c'est quand même pas mal, Olive. C'est quand même pas mal, honnêtement. T'es déçu? T'es un peu déçu? Non, on va voir les autres, y a pas de problème. Non, de toute façon, rien n'est fait encore. J'ai l'impression qu'Olivier et Marlène ont quand même passé un bon moment ensemble et ça me fait déjà très plaisir. Zank, qui est le deuxième duo à jouer? On va enchaîner directement avec un beau gosse. Il est sur ma gauche, c'est le rappeur.
C'est Dwagby. Ok, ok. Ok, bah, Dwag ouais, et Etienne. Le décompte va être fait par monsieur, monsieur Moya, alias Zand. 3, il va 2, hurler. Il va hurler. 1, tout face. Alors, c'est quand on va au ski, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? S'ils font pas du ski, ils font pas du snow, ils font quoi les enfants au ski? Ils font de l'art. Non, non, non. Ouais, c'est ça, bonne réponse. C'est un métier qu'on cherche, celui qui coupe les arbres. C'est quoi, c'est un? Celui qui coupe les arbres, c'est quoi? Un bûcheron. Ouais, bonne réponse. Tu connais Marvel? Ouais. Ok, Iron Man, un moment il s'embrouille avec un de ses alliés qui est devenu son ennemi. C'est qui? Il a un bouclier, c'est un mec américain, il représente l'Amérique, artichaut. Captain America. Bonne réponse. Captain America. Ok, il mange quoi les hamsters? Les hamsters les mangent quoi? Les hamsters ou les écureuils, pardon, les écureuils ils mangent quoi? Les noisettes. Bonne réponse. Et ce qu'on met au sol devant la maison, quand tu rentres chez quelqu'un, au sol, il y a quoi? Un paillasson. Ouais, mais comment on peut appeler ça s'il est dans la maison, dans le salon? C'est quoi? Un tapis. Bonne réponse, top. Time! Top, top, top. Ah, c'était un peu aïe, long. Aïe, aïe, hein. Alors moi, déjà, je vais soulever un la vrai problème. La colle de l'arbitre, là, s'il vous plaît, Captain monsieur. Pour Captain America, t'as dit qu'il était américain. Ouais, mais c'est parce que c'est son emblème. Ouh, ouais, j'avoue. Bah, j'avoue, mais c'est quand même son emblème. Donc du coup, moi, je décide d'appliquer une sanction. Parce que t'as quand même trouvé, etc. On va pas une seconde de malus. Aïe. Non, non, pas une seconde. On va avoir un sujet entre 5 et 10. Oh, c'est 10. Bon, bah, non. C'est réglé. 56 secondes. Vous passez quand même en tête. Ah, faut quoi, pas les... On a fait 56 là. 46 plus 10. Ah, pardon. Les mots ont l'air durs. Ouais. Les mots en vrai sont pas faciles. J'ai trop peur d'ouvrir mon papier. Les mots sont durs. Etienne, t'as quand même été très bon, honnêtement. Y avait rien à redire. Ouais, c'est dur le coup du Captain America. Mais ouais. Ah, mais attends, vous trichez à deux. Mais sinon. Non, mais ça avait rien à voir. Ah bah oui, c'est vrai que dire Amérique pour America, ça a rien à voir. Parce qu'en fait, t'étais bien, je pense qu'il l'avait. Il était bouclier. Bah ouais, je pense qu'il l'avait, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Américain. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'emblème. Genre, le personnage, ce gars-là, il représente l'Amérique, quoi. Bah ouais, j'avais pas calculé. C'est pour ça que c'est. Non, pardon. C'est le principe. Rien n'est perdu. Du allez, il reste une équipe, le Girl Power, Lauriane et Alicia. Va falloir faire mieux que 56 secondes. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai peur. Ça va être compliqué. T'es là, Lauriane? Oui, je suis là. Oh, elle a l'air chez chaud, David. Je suis là 100%. Bah, let's go. Ah, je vois ça a l'air très très motivé. Okay. Okay, attends, Lauriane, tu m'en veux pas si jamais je bafouille et tout. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ok, bon, ça va. Lauriane et Alicia, faut battre 56 secondes. Je vous souhaite bon courage, Zank à l'arbitrage. 3! 2, 1, tout face! Ok, c'est le truc dans lequel il y a des haricots, il y a des saucisses, c'est un plat hyper lourd. Comment t'appelles ça? Il y a haricots, saucisses, il y a plein de trucs. Tu l'as pas, c'est pas grave, je passe. C'est un petit insecte qui est porte-bonheur, c'est tout rouge avec des points noirs dessus. Comment ça s'appelle? C'est tout petit, c'est trop. La coccinelle. Ok, nickel. C'est le truc, ils jouent beaucoup à Marseille, il y a des boules et il y a un petit cochonnet, comment ça s'appelle? La pétanque. Ok, exact, c'est un truc que, tu vois, Sacha dans Pokémon, il la retourne à chaque début de combat. Comment ça s'appelle? C'est tu le mets sur la tête? Ah, t'as pas la référence, c'est chiant. Oui, exact. C'est là où tu vas pour te faire couper les cheveux, c'est chez le... Quoi faire. Ok, ouais. Et ensuite, c'est un fruit, ça se dit aussi, c'est un mot pour dire le mot amande. Tu tapes une, c'est violet. Le fruit est violet. Oui. Oui, stop. Stop. Aïe. Pénalité. De quoi? Pénalité. Pénalité. Pénalité gratuite. En fait, j'ai failli parce que j'ai vu prune et j'ai failli dire c'est le truc qui fait le pruneau et j'étais merde. Du coup, j'ai dû partir sur un autre truc. Attention aujourd'hui, les amis. Ah, c'est honnêtement, c'est chaud. J'ai vu pas mal de Too Fast. J'en ai vu dans ma carrière du toutou. Putain. Ça a été des belles parties. Je suis sûr que à cause de la pénalité. Zank, je peux te tuer, Rick. Zank, est-ce que tu penses qu'ils ont fait un meilleur temps ou pas? Je pense que Aleti a gagné. Mais par contre, si c'est à cause des 10 secondes, si t'avais dit 5 et on gagnait. Il fallait battre 56 secondes. Ouais. Parce qu'il y a eu les 10 secondes de pénalité. Eh bien, Alicia et Lauriane, on le rappelle, il y a une PS4 à gagner. Vous avez fait 47 secondes. Bravo, Lauriane et Alicia. Bravo. Lauriane, tu repars avec une PS4 Pro. Let's go. On ne triche pas. On ne triche pas au tout face. Merci, Alicia. Eh bien, écoute, j'ai pas fait grand chose. T'as été très forte. C'est une fille en or. Elle est trop contente. C'est toi la boss, Lauriane. C'est toi la boss. Domingo, Alicia, Dwaya, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.